Bonjour à vous YouTube, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, live, blablabla, bref. On est toujours sur notre aventure 100% vegan. On a fini la construction du toit hors enregistrement. On l'a fait en live et tout. Donc voilà notre maison, hein, toujours un peu moche, mais ne vous inquiétez pas, on va la finir. Là, on va faire les champs, enfin. Parce que bon, il faudrait quand même faire les champs, ce serait quand même important. Donc déjà, il faudrait qu'on se fasse une pelle. Salut, c'est Kai. Je joue 1.10, la dernière version en fait. Je joue en dernière version. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une pelle en diam. Parce que je suis un mec comme ça. Non, je plaisante. Je plaisante. On pourrait se faire une pelle en diam, mais on va pas en faire une. Go, il va falloir qu'on fasse un peu de terraforming. Donc là, mes champs, je voulais les mettre un peu ici, vous voyez. Donc là, c'est très moche, hein, évidemment. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de terraformer un peu tout ce bordel. Ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est de créer une sorte de peut-être de cascade artificielle. Ça pourrait être sympa. Fais-toi une houe en diam. Je pense que c'est une bonne idée. Ouais. Vous voyez, là en bas, on a une rivière. Là, on a notre petit lac qui est pas trop mal. Faudrait qu'on voit si on peut pas agrandir ce lac. Donc, ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, je commence à manquer un peu cruellement de nourriture, tout simplement. Parce que vous savez que je fais une aventure où je ne mange pas d'animaux. Où je me nourris exclusivement que de fruits et légumes. Et je ne fais pas de mal aux animaux. Donc, du coup, c'est assez complexe là pour l'instant. Alors, ça, on s'en fout. On peut jeter. Est-ce que j'ai récupéré les trucs? Voilà ça. On va replanter. Alors, je sais pas si du coup je replante ou si je détruis tout et qu'on recommence tout. Je pense que je détruis tout. On va tout recommencer. Enfin, va-t-on commencer, mais disons que là je dois avoir assez pour survivre au moins encore un petit peu. Sachant que je vais pas faire beaucoup d'efforts, donc ça devrait aller. Là j'ai les carottes. Voilà, parfait. Ok, alors, on va agrandir un peu tout ça. Donc, là c'est l'entrée de ma maison, les amis. Donc déjà, ce qu'il faut faire, c'est regarder s'il me reste de la terre. Alors non, est-ce que j'en ai dans les coffres? Casse-toi! Tu commences à me saouler, Bobby, mais d'une force. Non, 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 pas ici. Pas ici. Pas ici. Voilà, meurs. Non, pourquoi ça l'a pas tué? Pourquoi les autres ils prennent trois coups comme d'hab et lui non? Un moulin avec des champs autour pour faire du pain. Ah ouais, mais là on n'y est pas encore là. Oui, je vois ce que tu veux faire. Je comprends, hein. Mais je t'assure qu'on n'y est pas encore. Alors on va poser tout ce qu'on n'en a pas besoin. Regardez que les trucs importants. Là, on met tout ça à la poubelle. Voilà. Nous on veut de la dirt. On veut du bois, on sait jamais. On veut de la dirt, de la dirt, de la dirt. On veut que ça. On veut que de la dirt. Le reste, on s'en fout. Là, il y avait de la dirt. Dirt. Alors! Déjà, on va reboucher ces conneries. Ah putain de connard de creeper de merde. Saloperie de merde. Voilà. C'est fait. Ensuite, on va faire un peu de terraforming. Là, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, ça va pas du tout. Donc là, c'est l'entrée de notre maison. Vous vous souvenez? Donc là, on va rajouter une hauteur, je pense. Au moins. Enfin, pas tout là. Voilà. Voilà. Pof, pof, pof. C'est pas trop mal. Là, il faudra faire des escaliers. Donc là, un escalier ici, ça on enlève. Un escalier ici, un escalier ici. Donc là, il faudrait que les champs démarrent à peu près là, on va dire. Donc ce qu'on va faire, c'est que. On va. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors on va agrandir tout ça. Il faut agrandir tout ça. Et une usine, une ville, un château, une villa. Oui, bien sûr. Tu veux. Bien sûr. Faisons tout ça, t'as raison. On va manquer d'eau, vous inquiétez pas, dans Minecraft tout est réalisable. Alors, on va ouvrir un peu tout ça là, on va faire vraiment un lac complet. Toc, 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 voilà, comme ça on récupère un peu de la dirt. C'est parfait. J'adore la terre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser des tranchées, hein, vraiment à l'ancienne, ma gueule. Donc ce petit lac, hein, qui passe sous ma maison, qui est absolument magnifique. En fait, je pense.
je pense qu'il faudrait terraformer tout ce bordel en fait. C'est-à-dire qu'on roule là. Là, il faudrait faire ça. Et faire une putain de surface plane. Alors ça va être très chiant, pour ceux qui aiment pas le terraforming, arrêtez cette putain. Là on rentre dans les méandres du fun. Hein. D'accord. Mais c'est le moment sur le chat de raconter votre meilleure blague ou votre meilleure anecdote. Allez-y, je vous entends, je vous écoute. C'est votre moment de gloire là les gars. Faites pas les cons. Pour la petite anecdote, on fait ça parce que j'ai essayé de trouver un serveur avec des UHC, mais c'était impossible, donc du coup bah je me suis barré en solo. Hop. Donc là, ça va nous servir à prendre 3 heures de tranchée. Est-ce que lui, il va dépop ou pas? Qu'il touche plus rien. Est-ce qu'il va dépop ou est-ce que non? Est-ce que Zef? Je crois que Zef, non, parce que c'est Minecraft et que... Minecraft et la logique, c'est un peu... J'ai une blague, mon skill à CSGO. Vous aimeriez que je rejoue à ce jeu? En vrai? Parce que genre, moi, je voilà. Pas vraiment d'intérêt, tu vois. Mais bon... Pourquoi pas, hein, vidéo de temps en temps, tout ça, tu vois, je peux me le permettre. Un arbre qui va. Non, ça fait penser que j'ai oublié de faire un truc. Voilà, ça va, parce que personne n'a donné d'argent et personne n'a follow, donc ça va. Mais j'avais oublié de mettre mon petit dashboard. Boum, 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 boum. Voilà, parfait. Bon, les arbres qui volent. Taras. Voilà, tu veux. Là, super. Ça, hop, hop, hop. Bon, ça va plutôt vite, c'est bien. En fait, il y a de la cobble ici. Qu'est-ce que je suis allé miner à perpète les noix là? Alors qu'il y en avait ici. Putain, les pelles, c'est vraiment. La durabilité d'une pelle en Minecraft, mais je vous jure, mais c'est un truc de fou quoi. On dirait la virginité de Paris Hilton, quoi. C'est un truc de ouf. Ça s'envole à une vitesse. Un truc de malade. De malade. Allez, 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 allez. Pas mal, là. C'est pas mal, c'est pas mal ce qui est en train de se passer, là. Là, on est en train de créer quelque chose de pas mal. Sachant que, je vous rappelle, hein, on est tout seul. Donc, ça sert à rien de faire des champs d'un milliard de kilomètres. Ça ne sert à rien. On n'est pas là pour avoir le concours de qui a la plus grosse. J'ai une montagne en terre de cobble. J'avoue, j'avais des montagnes. Je l'ai miné en bas. Mais c'est vrai que j'en profitais aussi pour récupérer du diamant. Il est vrai. Donc là, c'est pas terminé. C'est pas terminé pourquoi? Parce que, eh bien, là, c'est bien beau, mais c'est de la pierre. Et la... Silence! Ferme ta gueule! Casse-toi! Je peux pas te tuer, mais casse-toi. J'ai pas du truc là pour tirer. Non mais vas-y, va-t'en. Tu me gênes dans mes constructions. Je te respecte, animal. Je respecte ton choix de vivre parmi nous. Mais peux-tu te barrer? Merci. Putain. Insupportable les animaux. Vous voyez, il suffit de me demander et c'est bon. Tu creuses un peu la montagne, tu auras une montagne qui va. Qu'est-ce que vous avez à vouloir creuser tout n'importe quoi là? Arrêtez un peu. Ça va pas ou quoi? Vous êtes creux dans un jeu de minage ou quoi? Vous êtes creux, j'ai dit. J'ai dit vous êtes creux, non? Oh! Des sapins qui tombent! Ah, il est l'heure du goûter. Voilà, c'est l'heure du goûter. Salut Enira010, bienvenue à toi, bienvenue. Installe-toi confortablement, prends une chaise. Bois un coup d'eau fraîche de la Moncou. Bisous. Allez, 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 on y va, 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 on y va. Sam, elle répond tellement bien dans le chat qu'on va croire que c'est un bot. C'est parti. Et là, on remplit la terre. Et là, vous dites, Minerva, pourquoi tu remplis la terre alors qu'en fait tu vas la creuser après? Ouais, 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 je sais. Mais c'est parce que dans ma tête, du coup, je parle d'une surface plane. Je suis un mec comme ça, je suis un mec qui fait tout, voilà. Je n'hésite pas
à me ralentir la tâche pour la rendre plus agréable. Bon, ça veut rien dire. N'a aucun sens. Que je dis n'a aucun sens. Voilà. Donc là, il va falloir user de logique. Alors, déjà, on va se refaire une pelle. Une petite pelle. Oh, c'est bientôt la fin de la journée. D'ailleurs, ce qu'on peut faire tout de suite là, avant que la nuit se tombe, on peut peut-être faire. Alors, ça fait quoi? Ça fait des belles portes ou pas? Ouais, ça suffira. On peut peut-être dormir dans notre maison une première fois, même si elle n'est pas terminée, même si elle ressemble à rien. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de faire ça aussi. Oh oh oh, j'ai pas le temps. Vite, avant que la nuit tombe, allons chercher notre lit. On récupère ça. Vite! Le lit. Voilà, donc ça c'était notre abri de fortune de base. Maintenant on a une vraie maison. Oh! J'ai des araignées dans le plafond! J'ai des araignées dans le plafond! J'ai des araignées au plafond. Du coup, je peux pouvoir dormir en fait. Ça va me mettre. Mais il y a des monstres à proximité. C'est obligé, non? Ah si, c'est bon, Osef. Voilà. Donc notre maison est moche, hein, mais c'est pas grave, c'est pas le. Tu veux sortir ou tu veux rester là, mec? Tu veux faire quoi? Qu'est-ce que t'en penses? Tu veux sortir? Vas-y. Tu es libre. Vas-y. Exprime-toi. Exprime-toi dehors. J'ai l'impression d'enculer un. C'est pas très ouf. Voilà. Salut Banzai, comment tu vas? Ça fait du bien de te voir tout aussi. Bisous. L'appel! L'appel! Vous ne pouvez pas dormir, il y a des moutons pas loin. Il faut les tuer! Non! On ne les tue pas, les animaux. Bonjour. Tu ne m'attaques pas, c'est ça, si on est en pleine journée? Bon, alors tu peux vivre. Tu as le droit de vivre. Mais attention! Attention, petite folichonne! Ok, pouf. Pouf. Il nous faut une nouvelle pelle. Parce que l'autre va bientôt péter. Péter. Hop là. Donc là, les amis, il faut creuser nos tranchées. Nos tranchées. Donc, est-ce qu'on on fait des doubles ou une seule? Non, je pense une seule, ça suffira. Donc là, on en fait une là, ouais. Bon, allez, go. On y va un peu en mode YOLO. On va bien. Voilà, jusque là. Donc là, 1, 2, on va mettre 3 trucs à pousser. Voilà, hop, on revient ici. Ça y est, ma pelle a niqué. C'est la nouvelle compagne, laisse-la dormir avec toi. Je parle du mouton. Ah ouais, non mais trop tard. Déviré. On prendra un animal de compagnie si vous voulez, mais pas tout de suite. Alors là, 1, 2, 3, on creuse ici. Tout va bien, ne vous inquiétez pas, je maîtrise la situation. Tout est normal. Ok. Et là, soit on fait du coup 1, 2. Et là, il restera 1, 2. Donc là, il faudrait qu'on. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on est en train de faire là. C'est vraiment pas mal. Ça c'est du beau jeu, ça. Minerva, pourquoi tu détruis la terre que tu viens de placer? Mais enfin! Mais c'est improbable! En effet! Tu as raison, moi-même je ne sais pas. Parce que je suis un connard, peut-être. Oui! Oh là là. Ah, j'ai creusé. Oula, j'ai creusé trop loin. J'ai eu un hoquet en même temps que je criais. C'était très bizarre. Ça me rappelle la fois où j'ai eu un hoquet et que j'ai roté en même temps. C'était très 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 bizarre. Genre, c'est une sensation hyper chelou. Ah, elle va faire la vaisselle. Bravo! Un jour, j'arriverai à amener la caméra jusque là. Merci, Dame Pay. Merci à toi. Bienvenue. Bienvenue dans la famille. Je vais augmenter le hard follower. On l'entend pas vraiment. Je suis désolé, t'as été le test. T'as été le test de cette nouvelle hard follow. Absolument incroyable! On peut se le dire. Alors, attendez. Nania. Si le volume, vous pouvez être à.
à 20. Je pense que c'est pas mal. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, là, creusons la tranchée. Ah! Merci à toi Irina, merci beaucoup pour ton follow, ça fait plaisir, bienvenue à toi dans la famille des univers alcooliques. J'espère que tu apprécieras ton séjour parmi nous. Voilà, ok, hop. Donc là, ça fait 1, 2, 3, toujours 1, 2, 3, 1, 2, 3, du coup là, 1, 2, 3. Je creuse par là, et du coup il va falloir qu'on augmente ce bordel. Attends, je réfléchis. Donc. En fait, attendez, ne vous inquiétez pas. Pour l'instant, il faut creuser le bordel. Que ça fonctionne ou pas, on s'en fout. Il faut juste creuser le bordel. On mettra l'eau après, si possible, de manière naturelle ou non. Enfin, là, sera surtout de manière non naturelle. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, tout sera fait. N'hésitez pas à jouer dans le chat avec les commandes, hein, si vous voulez, et tout. Elles sont disponibles en bas. Il y a des jeux aussi. Vous pouvez vous amuser. Salut Majaspic. Bon, au revoir, il y a mon tonton qui est arrivé pour fêter une fête du Kosovo. Très bien. Et bah écoute, Irina, merci beaucoup d'être passée. Et puis, au plaisir de te revoir, il n'y a pas de problème. Merci à toi. Et bonne fête du Kosovo. Je sais pas trop ce que vous fêtez là-bas, mais bonne fête. Let's go. Paf, paf. Paf, 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 paf. Paf, paf. Je crois que j'ai réussi à faire un truc symétrique pour une fois dans ma vie de Minecraft. Genre vraiment. Mais DigiWave, ça n'existe plus. Alors, DigiWave a changé en fait. DigiWave n'est plus une web TV multigaming. On est devenu une boîte de production à part entière. Je te renvoie vers les vidéos YouTube qu'on a pu mettre en place sur la chaîne YouTube de DigiWave qui t'expliqueront tout comment ça marche. Et du coup, je suis toujours affilié à DigiWave, hein, je suis toujours chez DigiWave, mais en tant que streamer indépendant. Et plus en tant que membre d'une web TV en fait. On mange du gâteau, c'est tout. Bah écoute, ça a pas l'air différent de toutes les autres fêtes qu'on fait n'importe où. Ça a l'air très bien. Salut à toi, Jean Racine 19, bienvenue. Bienvenue à toi. Installe-toi confortablement. Prends un truc à manger. La dernière fois, il y avait un stream sur DigiWave, la Grande-Bretagne est encore dans le U. Oui. Donc en fait, Banzai, si tu veux, DigiWave va produire des streamers indépendants, plus des émissions. Alors là, pour l'instant, on a deux émissions en route. On a DigiWave Pokémon, qui est une émission sur les actus Pokémon, etc. Et on a DigiWave Overwatch, qui est une émission aussi sur les actus et sur le cast d'événements Overwatch. Et du coup, tu peux retrouver tout ça sur YouTube. Tu tapes DigiWave Pokémon et DigiWave Overwatch et tu verras un peu de quoi il s'agit. Il y a Jav aussi, bien sûr. Jav qui est un des streamers produits par DigiWave. Donc Jav qui a aussi sa chaîne solo qui est produite par DigiWave. Et du coup, moi, je m'occupe de toutes les productions live. Donc c'est moi qui gère. Moi, j'aide Jav en fait. Si tu veux. Je m'aide moi-même et j'aide Jav. C'est très bien comme ça. Pourquoi ça m'a fait plus de la source infinie là, comme ils font les pros là? S'il faut que je prenne là, c'est ça? Ah ouais, voilà, c'est ça. C'est qui Jav? Je sais pas, Jav, c'est un random qu'on a récupéré dans la rue et tout. C'est une survie. Alors oui. Effectivement, c'est une survie, Jean Racine. Effectivement. C'est une survie où mon défi est de survivre en ne tuant et en ne mangeant aucun animal. Donc c'est pour ça que là, je fais des cultures qui vont pouvoir me donner de la nourriture de manière tout le temps. D'ailleurs, j'y pense. Des bisous à vous, YouTube. Cette VOD était beaucoup trop longue. On va en faire une deuxième. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On continue tout de suite après. Tchou, bisous, salut.